Mais je vais vous faire un aveu, j'ai de très vieux fusils dont je ne peux pas me séparer. À partir du moment où le fusil fait partie de vous-même, où il vous tombe bien à l'épaule, vous avez gagné, vous êtes sûr de ce que vous faites. Respecter les règles du chargement de l'arme, c'est-à-dire la bonne portée pour être sûr de tuer net. Celui qui n'a pas connu les longs chevauchés derrière une meute hurlante, le fusil prêt, l'oreille tendue, tous les sens en éveil, celui-là ne sait pas ce que c'est que la vie. Même de la chasse. Chasser, c'est avant tout ne pas être honteux de ce que l'on fait. C'est s'en reconnaître le droit et de ce fait pouvoir en goûter toutes les joies. En même temps, de se sentir en règle avec soi-même. Exister dans l'esprit de tous ceux qui comprennent quelle part de responsabilité ils assument en prenant un fusil entre leurs mains. J'ai appris ce qu'étaient les bêtes. J'ai appris à les connaître, à les comprendre. Bien sûr, ce sont des bêtes sauvages, mais... Dans nos pays surpeuplés, il nous faut faire le nécessaire pour protéger la nature par tous les moyens. Je voudrais que tous ceux qui réprouvent ces tueurs que nous sommes comprennent que nous ne pratiquons pas la chasse pour tuer seulement, mais pour exercer, avec discipline et fair-play, un véritable sport.